Hello, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau vlog. Donc c'est que le troisième vlog de ma série de vacances. Donc là c'est mon troisième jour de vacances, enfin un week-end inclus, hein. Moi j'inclus les week-ends, je suis pas comme ma mère. Oui, j'ai décidé de vlogger tous les jours, même si j'ai pas de but précis dans la journée. En fait ça m'a inspiré comme la chaîne de Emma Bossé que je suis, en fait, pour toutes ces années, enfin pour son année des 25 ans, elle a décidé de filmer les 365 jours de son année de ses 25 ans. J'ai pas le temps ni les moyens d'en faire autant, parce que quand je travaille, c'est, comment dire, un peu compliqué, surtout que je gère d'autres vidéos dans la semaine en dehors des vlogs. Mais je me suis dit qu'au moins faire des vlogs journaliers à chacune de mes vacances, ce serait pas mal. Donc aujourd'hui, qu'est-ce que j'ai pris? Alors d'abord, je devais faire ma journée shopping aujourd'hui, mais finalement ça se fera pas parce que bah, je l'ai déjà fait samedi, donc faut pas abuser non plus. Il faut que j'aille retourner juste chercher de la couleur demain, puis que j'emmène les loulous au veto, mais ça on en reparlera demain, c'est pas le sujet. Donc aujourd'hui ça va être journée tournage de vidéo. Donc là déjà je suis en train de me préparer en même temps que je vous parle. Je trouve que c'est fun à faire. Faut que je me lave les cheveux, je pense que ça se voit. En même temps, maintenir du couleur rouge, faut que je me lave les cheveux tous les 15 jours, donc au bout d'un moment. Ça en a besoin. Là, c'est quand je m'attache les cheveux comme ça, c'est que c'est la fin pour les laver. Est-ce que je mets ça aujourd'hui? Ouais, on va y mettre ça. Et donc, ça va être journée de tournage de vidéo. Il faut que je tourne ma vidéo au l'animalier du mois d'avril. Pour la mettre en ligne mercredi, donc ça va, je suis en vacances, donc je suis pas trop à la bourre, pas plus que ça. Faut que je finisse de faire les photos, mais j'en ai déjà fait une bonne partie pour mettre les miniatures dans la vidéo, ainsi que pour quand je ferai mon article de blog. Soit dit en passant que je n'avance pas sur ce blog de crotte. Ouais, c'est pas facile de se maquiller loin avec le miroir qui est tout au fond de l'étagère. Et donc si je peux, faudrait que je tourne le Draw My Life. Ce serait pas mal, mais il faut que je retourne en bord de scène comme hier. Enfin, faut déjà aussi. J'ai le vlog à monter que j'ai tourné hier sur les quais de Seine. Faut que je le tourne. Donc finalement, bah, vous allez dire bizarre en fait avec les deux vlogs qui se sont suivis. En fait, ils se sont mal coupés parce que en fait, finalement, je trouvais que la journée shopping était trop courte. Mais finalement, pas du tout. Elle était vachement longue. Je me suis dit que j'allais faire une journée, un vlog. Donc il n'y a pas de... Il n'y a pas de fin sur le vlog du shopping, mais bon, c'est pas grave. Je pense que c'est pas trop gênant, parce que vous allez voir, ça va s'enchaîner sur les deux jours. Et donc aujourd'hui, il faudrait que j'aille retourner sur les quais de Seine pour filmer une partie de la vidéo que je devais faire il y a quelques semaines avec tous les loulous. Une vidéo saisonnière, pour vous en dire un petit peu plus. Mais que j'avais pas pu tourner parce que... comment dire? Donc, pas facile de me concentrer sur mon trait de liner en même temps que je vous parle. Vite fait de foirer parce que à chaque fois il pleuvait ou quand j'allais quelque part il n'y avait pas de fleurs ou quoi. Donc là ça y est, il y a plein de fleurs qui sont sorties, même si parfois ce ne sont que des petits pissenlits, un petit peu des mauvaises herbes, mais bon ça c'est pas grave, donc on s'en contentera. Mais de toute façon j'ai décidé de tester différents spots, donc il y aura différents types de fleurs, mais j'ai vraiment besoin de fleurs pour cette vidéo, c'est très important pour moi. Donc on va y retourner avec Kitty aujourd'hui parce qu'il prévoyait du mauvais temps, mais apparemment ça a l'air de se maintenir. Donc voilà. Donc on va aller tourner ça, comme ça je ferai une journée, un bout de vidéo par chien, parce que c'est ce genre de vidéo qui me prend 3 plombes à tourner, surtout que je voudrais tester de nouvelles techniques de vidéo. Donc voilà, c'est pas toujours le plus simple. Mais pour l'heure, je vais aller déjeuner et après je tourne le haul et je monte. Enfin, pendant que je vais déjeuner, je pense que je vais monter la vidéo vlog. Mettre l'autre vlog en ligne pour le 13 mai, je crois que je l'ai planifié. Ça doit être ça. La place dans d'autres vlogs que je devais tourner ce week-end, mais finalement, avec le temps, bah, j'aurais pu y aller, mais j'y suis pas allée. Enfin, bref, c'était catastrophe. Donc voilà, on se retrouve bah, tout au long de la journée avec des petits moments d'accéléré, des petits moments de vidéos que je vais filmer. On va voir un petit peu comment je vais goupiller tout ça. Donc ouais, j'espère que ce style de vlog vous aura plu, puisqu'apparemment, à chaque fois, je me mets des contraintes. Mais vous êtes plusieurs à me dire que vous, ça vous dérange pas que je fasse des vidéos méga longues parce que vous aimez bien regarder des super longues vidéos. Vous aimez bien les vlogs aussi apparemment, donc bah, en fait j'ai arrêté d'essayer de trouver des sujets à forcément vlogger. Si j'ai envie de vlogger, bah, je vlog et puis c'est tout, on verra bien.
Bon, c'est sûr que c'est plus simple quand on a sa propre chaîne de vlog, mais bon, j'ai pas envie de gérer deux chaînes en même temps, ça va être trop de boulot pour moi. Donc bah, les vlogs, vont pas forcément être aussitôt après que je les aurai filmés, ça va être dès que j'ai un creux ou que j'ai pas de vidéo à mettre, ben bam, je balance un vlog et puis bah, ça ira bien comme ça. Et puis on va essayer vraiment de tourner le Draw My Life aujourd'hui, mais je suis pas sûre, faut que j'aille chercher mon copain dans 2 heures, donc on va faire ce qu'on peut et après je verrai ce que j'ai le temps de faire en fonction de l'après-midi. Donc voilà, on se retrouve tout de suite pour la suite de la vidéo. Donc voilà, il est 3h-10, normalement j'avais filmé une partie de vidéo avec Kitty, mais je vous avouerai que j'ai un méga coup de barre et mes courbatures par rapport à ma marche ne m'aident pas à me motiver, donc je pense que je vais rester à la maison et je verrai ça demain. Je vais finir de travailler sur ma vidéo du Draw My Life, pourquoi pas faire le dessin maintenant. Donc là j'ai fini de filmer le haul, donc je vais le monter là pour l'instant. J'ai une dernière vidéo vlog qui est en train d'encoder. J'ai une vidéo d'Emma que j'ai fini de regarder, mais elle ne veut pas se faire. Donc je vais ranger tous les achats que j'ai fait. Et je voulais vite fait faire le point sur mon truc de Tsum Tsum que j'ai reçu. Donc je pouvais pas faire une ouverture spéciale booster parce que j'en ai pas acheté assez et j'ai pas envie d'attendre. Donc comme je vous disais, j'ai eu la petite Lady qui est juste trop mignonne. Voilà, comme ça. Donc les finitions sur les Tsum Tsum comme ça ne sont pas forcément le top du top. Donc on voit sur son oreille qu'il y a quelques traces qui ne sont pas forcément bien faites. Ils sont assez chmouf. Et en surprise, j'ai eu Bayonne. Donc il me laisse un peu indifférent, mais il est marrant parce qu'il est rose. Donc de toute façon, on verra si on les collectionne tous ou pas. Donc au total, là, j'ai le petit dépliant. Donc en fait, combien il y en a au total, je ne sais plus. Il y en a 54 à collectionner au total et ils sont plus ou moins rares. Donc vous avez les normaux qui ont la tête de Mickey bleue, les roses qui ont la... Enfin les têtes de Mickey rose qui sont rares et les têtes or qui sont ultra rares. Donc comme la gamme là qui a Mickey, Alice, Elsa et Olaf en or. Tout le reste ils sont basiques. Donc moi les deux que j'ai eu sont basiques. Après vous avez par exemple Stitch que moi je voudrais avoir, il est en rare, on l'a pas souvent. En tout cas, il est souvent dans les mystères, dans les mystérieux. Et apparemment, plus vous prenez des boosters plus gros, donc ceux à 12€ avec plusieurs personnages dedans, ou 4 ou 5, je sais plus, vous avez plus de chances d'avoir des rares que si vous prenez juste le lot de 2 comme j'ai pris. Donc il y a le Elsa qui est dans la catégorie rare. Vous avez aussi Ariel, Bourriquet que je veux en plus. Mini que je veux est aussi en rare. Dumbo, Figaro, ça je voudrais bien aussi. Et il y a aussi Bambi et Jessie qui sont dans la catégorie des rares. Donc de toute façon... 50 c'est pas trop, je pense que bah, je vais déjà au moins essayer de choper tous les personnages que je veux, donc les personnages de base de mes loulous. Et donc bah, on va essayer de les avoir, et puis bah, pour ça, on va acheter des boosters plus gros, un peu un ou moins un chaque mois. Et après je pense que je vais les ranger un peu tous dans cette étagère là. Donc je pense que ça rendra bien. Donc voilà pour mes premiers Tsum Tsum, et là j'ai les plus gros, donc pour vous rendre compte, ça c'est la taille des mini Tsum Tsum peluches, et là vous avez les Tsum Tsum figurines juste devant. Et plus tard, je verrai de toute façon pour acheter aussi un giga Tsum Tsum pour le mettre en oreiller ou coussin dans la chambre, mais je ne sais pas encore quel personnage je vais prendre. Donc voilà, donc je vais continuer ma vidéo et puis travailler un peu sur tout ça. Donc voilà, petite update de la journée, on va clôturer le vlog maintenant. Finalement j'ai fait beaucoup moins de choses que prévu, coup de barre et courbature m'ont empêché d'aller faire encore une fois la vidéo que je dois tourner depuis je ne sais combien de temps, il y a toujours quelque chose qui va pas, donc j'espère vraiment attendre de le faire demain. Mais je sais même pas si je pourrai vlogger demain parce que j'ai des trucs à faire et je pourrais pas vous emmener avec moi. Donc j'ai commencé à tourner le live mais j'ai pas fini parce que je pensais pas que ce serait aussi compliqué. En plus je tourne un peu dans des conditions un peu compliquées. Et c'est peut-être de se remémorer certains souvenirs de ma vie et de
réussir à les remettre en dessin, ça me prend pas mal de temps. J'espère vraiment que la vidéo rentrera bien parce qu'elle prend super longtemps. J'espère que je vais réussir à faire pas trop long parce que ça me ennuie à regarder. Donc voilà, je vous dis à bientôt pour le prochain vlog et voilà, bisous.